Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça te dirait de gagner 10 $ d'argent PayPal sur internet? Je t'explique ça dans cette vidéo. C'est une méthode qui ne demande ni compétences ni budget. Avec une connexion internet, un ordinateur ou un smartphone, tu pourras l'appliquer. Reste jusqu'à la fin. Je vais te dévoiler ça étape par étape. Comme d'habitude, ceux qui partent avant ne pourront pas saisir cette opportunité inédite. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne, mets un like et n'oublie pas de prendre dans la description ton ebook Je gagne ma vie avec mon blog. Cet ebook va te permettre de lancer ton business en ligne et d'être libre financièrement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment démarrer gratuitement, que faire exactement pour gagner de l'argent avec cette méthode et comment encaisser tes gains. Tu auras toutes les étapes dont tu as besoin pour gagner de l'argent avec cette stratégie. La première chose à faire, on se rend sur Google. On tape Analyzia dans la barre de recherche et on clique sur le premier résultat. Voici la plateforme qui va te permettre de gagner 10 $ de l'heure d'argent PayPal. Elle est totalement en anglais. Avec l'explication que je vais te donner, tu n'auras pas de problème avec cette plateforme. Pour la traduction, je te conseille Google Chrome et DeepL. Analyzia est une plateforme qui teste la performance des sites et des applications mobiles. Si tu possèdes un site ou une application mobile et que tu désires connaître l'avis des utilisateurs à propos de ton site, tu t'adresses à la plateforme Analyzia. Analyzia aide les propriétaires des sites web à améliorer la qualité de leur plateforme. Avec Analyzia, les entreprises bénéficient de plusieurs avantages. Avantage 1, le prix est bas. Avantage 2, les entreprises voient comment les utilisateurs naviguent sur leur plateforme et entendent ce que pensent les utilisateurs pendant l'utilisation. Cela permet aux entreprises de découvrir ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leur site web ou leur application. Notre rôle ne sera pas d'être client de la plateforme Analyzia, plutôt d'être testeur des sites web et d'applications. Pour devenir testeur sur Analyzia et gagner de l'argent, tu cliques sur Join the Usability Testing Community, qui signifie rejoignez la communauté des tests d'utilisabilité. Et tu es redirectionné sur cette page Share Your Experience, qui signifie partager votre expérience. Tu vas surfer sur des sites et donner ton opinion. En retour, tu vas gagner de l'argent. Pour chaque test, tu gagnes 10 $. Et ces tests durent entre 10 et 15 minutes. Tu vois comment c'est génial? Imagine si tu arrives à faire 10 tests par jour. Cela te fait 100 $ par jour. Testing User FAQ, qui signifie le FAQ pour les testeurs. On a What does the test involve, qui signifie en quoi consiste le test. Le test consiste à lire quelques instructions et à effectuer une tâche sur un site web. Lors de cette tâche, l'écran de ton ordinateur et le son seront sauvegardés. Le second, on a Who qualify for this test, qui signifie qui peut se qualifier pour ce test. Toute personne disposant d'une connexion internet, d'un microphone, d'un ordinateur ou même un smartphone peut devenir testeur sur Analyzia. La plateforme accepte une bonne variété de testeurs provenant de plusieurs endroits et de profils différents. Cela veut dire, quelle que soit ta nationalité, tu peux devenir testeur sur Analyzia, à condition que tu aies une connexion internet, un microphone, un ordinateur ou un smartphone. Le troisième, on a How long does a test take, qui signifie combien de temps dure un test. Un test dure environ 15 minutes. Le quatrième, on a How much I get paid, qui signifie combien suis-je payé. Pour chaque test que tu effectues, tu es payé 10 $. Le cinquième, on a How do you pay me, qui signifie comment suis-je payé. Sur Analyzia, les paiements se font via PayPal. Le sixième, How do I get contacted, qui signifie comment puis-je être contacté. Lorsque la plateforme a besoin de toi pour effectuer une tâche, tu reçois un courrier électronique de leur part. Le dernier, on a How many tests can I expect to do, qui signifie combien de tests puis-je m'attendre à faire. Le nombre de tests que tu vas faire par jour ou par mois va dépendre de ton profil, car certaines entreprises ont besoin d'un profil de testeur spécifique. Mais comme tu es sur le profil cible, tu peux être invité à faire plusieurs tests par mois. Maintenant, si tu veux t'inscrire pour devenir testeur et gagner de l'argent sur cette plateforme, c'est très simple. Tu mets ton nom, ton adresse mail, ton mot de passe, tu confirmes ton mot de passe, tu saisis le code affiché ci-dessus et tu cliques sur « Register » pour accéder à la seconde étape de l'inscription. Voici la seconde étape de l'inscription. Ici, en premier, tu choisis ton pays de résidence. En second, tu mets ton sexe. En troisième, tu mets ton niveau d'études. En quatrième, tu choisis le revenu total de ta famille par an. Je te conseille de choisir le revenu compris entre 70 000 $ et 99 999 $.
ou plus de 100 000 dollars si tu vis en famille. Si tu vis seul, tu choisis entre 35 000 dollars et 69 999 dollars. En cinquième, tu choisis le type d'emploi que tu fais. Si tu es un étudiant, tu mets étudiant. Si tu travailles à domicile, tu choisis working at home. Si tu travailles au bureau, tu choisis working office. Si tu es un entrepreneur, tu choisis owner business. En sixième, tu mets ton code postal. En septième, tu mets ton numéro de téléphone. En huitième, tu mets ton expertise en informatique. Si tu es débutant, tu choisis beginner. Si tu as un nouveau moyen dans le domaine de l'informatique, tu choisis intermediate. Si tu es un expert en informatique, tu choisis expert. Il est important de savoir que ceux qui sont experts auront plus de tests par mois que les autres testeurs. En dernier, tu choisis ton année de naissance. Pour terminer, tu cliques sur register et ton inscription est faite. Tu peux alors commencer à gagner de l'argent sur cette plateforme. Analyzia va toujours t'envoyer un mail lorsqu'il y aura un test compatible à ton profil. Lorsque tu résides dans un pays développé comme les États-Unis, la France et que tu es un expert en informatique, tu auras au moins un test par jour. C'est en fonction de ton profil que tu auras plus de tests. Merci à toi pour avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à la partager à tes amis et à t'abonner à la chaîne. À la prochaine.